Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser une fonction aléatoire entre des bornes, donc pour des valeurs entières. Donc pour cela, nous allons simuler un lancer de dés. Donc nous allons essayer d'obtenir des valeurs aléatoires entre 1 et 6. Donc pour cela, nous entrons la formule avec le signe égal, aléa. Et cet aléa, on sépare par un point, va être entre des bornes. Donc on rentre la première borne qui est égale à 1. On sépare par un point virgule, la deuxième borne est égale à 6 et on appuie sur Entrée. Donc nous avons notre premier lancer de dés. Donc pour actualiser le lancer de dés, nous allons appuyer sur la touche CTRL, MAJ et F9. Et nous voyons ici que notre dé est lancé à chaque fois et obtient un résultat aléatoire entre 1 et 6. On peut simuler de la même manière un deuxième dé. On rentre la même fonction. Et de la même manière, en appuyant sur CTRL MAJ F9, nous allons actualiser les deux dés maintenant. Donc, nous voyons nos lancers qui s'effectuent au fur et à mesure.